Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bonjour. Ah, pas de problème. Bienvenue à capsule numéro 14 de Le Monde de Buzz. À soir, je vais placer Madame Utibise dans la vidéo. Je vais l'introduire dans la vidéo. Elle va voir son programme. La langue sale. Ça risque de chatouiller pas mal. Attendez un petit peu. Non, on va placer ça pour que ça me glace. Ah! C'est ça. On va parler surtout de l'ésotérisme. Guru Gugun, oui, mais il va faire le voyant. Attendez, je vais marquer ça de même, là. La voyance avec le Guru Gugun, la langue sale avec Madame Utibise de Grimby. Ça va être ça, la soirée. Bon, mon petit mot, ben, j'ai pas grand chose à dire. La pleine lune s'en vient. Fait que je vais diminuer, mes apparitions sur le forum. J'ai commencé à faire les séquelles. Je pense que le monde est, s'en aperçoit quand je suis rendu à la pleine lune. J'ai pas, comment je te dirais bien ça. J'ai pas les doigts liés, mettons. Quand je veux écrire quelque chose, j'ai pas trouvé la bonne façon de l'écrire, mais je l'écris. De façon humoristique, bien sûr. À soir, ça va être la même chose. Mais ça risque d'être coincé un petit peu, là. À part ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Le forum va bien. C'est tranquille. Quand c'est tranquille, ça veut dire qu'il n'y a pas de chicane. S'il n'y a pas de chicane, parce que ça va bien. Pour l'instant. J'espère que ça va rester comme ça. C'est sûr que ça me, qu'est-ce qui me chicote un peu plus, c'est que, il y en a qui font la baboune, hein? Tu veux. Chacun, elle doit faire qu'est-ce qu'il veut. C'est dans le principe même de le, du virtuel, les forums. Il y a des sujets qui, ça t'intéresse pas. Puis ça te coince un peu, mais t'es sauf par-dessus, t'en vas voir un autre. Faut pas que tu t'empêches d'exprimer ce que t'as à dire, parce qu'il y en a qui sont coincés, hein? Fait que... mais semble que... Chaque membre apporte qu'est-ce qu'il y a de bon sur le forum. On n'a pas affaire à juger qu'est-ce que les gens écrivent sur le forum. On n'a pas affaire à juger ça. Ça t'intéresse pas, t'aimes pas ça, passe à une autre chose. Passe à un autre topic. Si tu écris, puis toi, quelqu'un qui te gosse, là, je peux intervenir. À part ça, je peux pas rien faire. Hein? Possiblement aussi que je vais recommencer à peinturer après l'étoile. C'est un besoin essentiel pour moi. Il faut que je fasse la création. C'est sûr que j'ai mon site qui n'est pas fini de construire, mais j'ai pas vraiment la tête à ça. C'est quoi ce tien? Ah, ok, c'est ton tien. T'attends ça d'ailleurs. Petit crise de singe. À part ça, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Ah oui, j'ai refait laisser pousser ça encore. Oui. Lorsque là, je la coupe plus. Dites à Noël. Je sais pas comment je vais voir ça, mais que fasse des grandes chaleurs, en tout cas.
Hein? Ouais, hein? La barbare va tomber. Jessica, elle va tomber. Ouais. Ah, mais la barre va se couper, moi. Parce que je suis Mmh. surpris, là. Tu sais, Ah, quand ça tu va te lèves le faire un matin, effort. avec la barbe, là, des fois, qui qui avait déjà dit ça, c'était, comment il s'appelle, mon lui? Michel Barrette. Il dit, moi, je transpire du cou. Moi, je transpire du cou quand je me lève le matin, c'est parce que, c'est, Hey. Ça parce change pas ce que je veux dire. que ma femme est collée dans la gueule du cou, puis à la barbe, t'es un Même pas. Même pas. C'est comme Michel Barrette aussi. Ça se peut pas dire. C'est ça. C'est De quoi? des chaleurs de papier. Des chaleurs de papier. De vieux gars, comme tu dis. Des chaleurs de papier. Ça se peut. Ça se peut. Et des fois, j'ai des bouffées de chaleur, c'est sûr. Les hormones. Bon. Je vais laisser la place à Gogo. Si vous avez des suggestions pour le forum, ou si vous voulez placer des choses sur le site, là, gênez-vous pas, là, il y a de la place en masse. Bon, bye. Bon, petite boule de cristal avec plein de neige dedans. Ah oui, c'est la soirée violence, voyance, pas violence. Faire parler la petite boule. Elle dort bien ma boule. Ma petite boule cristal est donc est complètement ma boule. Bon. Bon, on va commencer si on veut venir. À un moment donné, là, si les gens veulent participer, ils ont juste envoyé des questions pour les répondre avec la boule. Pas plus compliqué que ça, là. Bon, moi j'en ai posé des questions. Ma première question, c'est un peu. Y a-t-il une civilisation extraterrestre? Oh, t'as l'air. Hey, mon dauphin, t'as l'air. Mon petit dauphin. Bon. Y a-t-il une civilisation extraterrestre? Mais non! C'est pas dans notre monde. C'est pas dans notre monde. Un peu compliqué à comprendre, hein? Le monde intro existe, mais pas dans notre monde. Pourtant, pas dû à comprendre, là. Pas dans notre dimension. Et ceux qui se promènent en soucoupe, soucoupe ballon, là. Ceux qui en voient, là. Ça vient pas de notre monde.
Ça vient pas de notre dimension. Bon. C'est pourtant pas dur à comprendre. La plupart des témoignages du type 1, du type de rencontre 1, ils disent, bien, c'est stipulé dans tous les rapports que la plupart ne voient pas d'où qu'ils viennent. On les voit dans le ciel, mais de où qu'ils viennent dans le ciel, on ne sait pas. Il y en a qui voient des petites étoiles là, qui s'approchent. Ça, on peut suspecter que ça vient d'ailleurs. Mais normalement, on les voit pas de s'en aller de si loin. Là. D'habitude, ils apparaissent. Pouf! Ils se promènent. Après ça, pouf! Ils disparaissent. Et ces jeux-là, c'est des intros. Les intros, c'est facile à savoir. Leurs vaisseaux sont plus souvent autrement que des lumières. Eh oui. Avant, ils se promenaient en vaisseau elliptique, mais à ce temps, ils n'ont plus besoin de ça. Non. Ils sont plus sophistiqués. C'est des boules directement. Des boules de lumière. Juste la lumière. Puis quand ils sont sur une place, ben, ils s'intensifient de lumière, puis il y a un vaisseau qui sort. Je viens d'en fucker une couple. Bon, autre question que je voulais poser. Ah, c'est fait fou. Est-ce l'équipe canadienne au hockey masculin qui vont gagner la médaille d'or? Ah non? Ah ben, moi j'étais sûr qu'ils gagnaient la médaille d'or. Ça a bien l'air que non. C'est peut-être dans le champ, là, cette boule-là, si c'est dans le champ, elle va décrisser des colis. Mais non. C'est 50-50% de gagner. Mais quoi? C'est ça la voyance. C'est basé sur du 50-50. 50 je l'ai, 50 je l'ai pas. Le pourcentage il est peut-être sur lui après. À force de dire le 50 pas bon, mais c'est 50% pas bon. Bon, mais c'est qui d'abord qui va gagner la médaille d'or en équipe masculine de hockey? Il n'y a pas grand club là, hein, qui aspire à médaille d'or aux Olympiques là. T'as la Suède, les États-Unis, les Canada, t'as pas ça, t'as les Tchèques qui poussent. Aujourd'hui, je sais pas s'ils ont gagné, mais je sais qu'ils perdaient 3-4-2 en deuxième. Je suis pas sûr ben de toute façon. J'aime pas les Olympiques. J'ai jamais vraiment aimé regarder les Olympiques. Qu'est-ce que je fais à ce temps-là? Je ferme la TV et j'écoute de la musique. Bon, lui, il m'a dit là, que ça se pourrait, ça serait les Russes. Ils ont besoin d'avoir une petite bogo là. Ils ont une très bonne attaque. Mais c'est la défense qui fait deux.
Les Canadiens, ils ont une très bonne défense et une très bonne attaque. C'est parce que c'est tellement équilibré. Canada, États-Unis, Finlande, Suède. Ça va jouer dans ces trois-là, là, ces quatre-là. Les Tchèques, mais là, c'est pas. Faudrait que je regarde, attends, on les voit tout. Alors, on va aller voir si on va lire les Tchèques. Parce qu'il me semble, j'avais du tout. RDS. La Suède a gagné. Hey, ça m'écoeure chercher, madame. Il y a tellement d'affaires. Ok. Hey, Sacramento. Hey. Tu l'as vu? Yes. Où si je peux avoir ça? Hey, ça, c'est un nouvelle. Ceci, titi. On joue après-midi, ça, ben, après-midi. Tu sais, vas-y. Ceci. Ok. Bon. Okay. Moi, je suis en train d'entendre les nouvelles, tabarnak. Je les ai vues jouer après-midi. Ok. C'était la Suède qui a... Ah, c'est la Suède qui a gagné 4 à 2, c'est ça. Puis la Suisse a gagné 1-0 contre la Lettonie. C'est que la République tchèque, là, pour moi. Demain, il y a du hockey à 21h, Canada contre la Norvège. Puis le lendemain, à 21h, les deux games contre l'Autriche. Ouais, ça va être bon, ça. Wow. Le troisième game, ça va être... Ah, puis ça joue à midi. Ah, c'est à midi, ça veut dire que ça va être 1 heure là-bas, mais c'est à midi au Québec. Canada contre la Finlande. Bon. Fait que, ça c'est groupe C. C'est-tu juste ça? Ok. Bon, juste 3 games. Mais non, ça se peut pas. Bon, en tout cas. Pour moi qui fais les choses. Bon. Ok. Moi, j'aimerais bien ça que le Canada l'emporte sur le hockey. Ben. Je partirai pas pleurer dans mon coin si je la perds, là. Bon. Une autre question. On va changer de contexte. Oh, petite boule. T'as-tu une question, toi? Une question? Ouais, rien que pour le fun, non, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Quand est-ce que le printemps, que la température printanière va arriver?
Quand est-ce que la température printanière va arriver? Ah, je l'ai dit sur le fond. Je l'ai dit qu'elle va être de bonne heure. Bon, faut y avoir commencé. Ouais. Tout d'un coup, ça change d'idée. C'est une boule, hein? Ça fait le tour. Quand est-ce que vous pouvez sortir plus juste la galerie? Oh, tabarouette! En tenue, je veux dire. En petite tenue. En petite tenue, ok, pas tenue. La température printanière, ça va être au début de mars. Printanière, je dis pas estival. Non, mais... En haut de zéro. En haut de zéro, c'est ça, c'est au début du mois. Non. On va atteindre les 7, 8, 9. J'ai l'impression qu'on va, avoir de la fonte des neiges assez rapide. Yes! La seule chose qui m'écarte, moi, c'était au début avril. Parce que je l'ai dit, ça aussi. On peut avoir une surprise. Oui, c'est son avril! Oui! T'as-tu un autre? Un autre question. On arrête les garages. Ouais, mais pose-en une. Dis-les pas fort, 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 fort. Oui. Doudoudou. Quand est-ce que je vais retrouver la santé? Quand est-ce que tu vas retrouver la santé? Et cabaye, là, tu m'en demandes une question. Quand est-ce que ma femme va retrouver la santé, là? Il me répond quand tu vas arrêter de fumer. Hey, même pas! Même pas! Ça, c'est chiant, ça. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la boule. Mais maintenant, quand on a fumé, ils ont fait. Il est tout à la boule, pour avoir quelque chose. Ah ben. Attends. T'as pu, là. Voilà, si je l'ai fait brosser, tu peux, en gros. Ah ouais? Oh boy, tu vas jamais passer. Mais ça. Ça a l'air que tout va s'estomper, mais que le printemps et le soleil c'est plus chaud. Mm-hmm. Oui. Yes. Oui. Yes. Pire que le soleil. Tu seras plus arrêtable, mais si il va falloir que je te cours après. Bon. Bon. Est-ce qu'il va y avoir d'autres membres qui vont s'inscrire sur le forum en radio? Non, pas radio. Il y a plein de trous qui s'engagent, là, monsieur. Sur le forum et les eaux rebelles. Oh, c'est mort. Il n'y a pas trop de monde qui attend d'arriver. Bon. C'est tout pour la soirée. Je vais laisser la langue sage s'exprimer. Hello! Léo! Oui, oui. Il était temps que je sorte des boules à vite. Mais parce que Maurice était tout empoigné après moi. Et j'ai dit, Maurice, va-t'en chez Canada intérieur. J'ai dit, va te secouer le pompon par là, là.
La femme à barbe. Bon, assoyez là. Ça va être sérieux. Ça soit la langue sale. Je vais pas dire qu'est-ce qui se parle en ésotérisme. Oui. Oh, ça, c'est... Ah, le style Maurice, il a oublié de fermer la page de RBS. Bon. Je suis sur le forum Ordurion. Faut pas dire le vrai nom. Bon, attends un petit peu. Ça, c'est pas bon. Ario. Arion. Arion. Elle. C'est pas bon, ça. C'est pas ça, je veux parler. Oui. Ok. Il y a un message de Bridgette. Mais c'est pas elle, c'est parce qu'elle a fait un copier-coller là-dessus. Là. C'est à peu près rien que ça, ils sont capables de faire des tapisseries. Dans ce forum-là. C'est rempli, rempli de tchalaling-ling-ling. C'est le fun d'aller. Elle est longue un petit peu, là. Je te dirais, c'est bien long. Mais c'est pas grave. Si j'en ai qu'une à faire, je vais faire elle. Là, c'est... J'ai dit message répétitif. Ça, c'est Génome. Génome, c'est... Ouch, ouch. J'ai fait la langue sale sur le forum. Oh, bon, ça ne dit rien. Lui-ci, il a fait des copier-coller dessus le forum. Puis lui, quand il en fait, il en fait long, long, longtemps. Il a essayé de faire un cote, puis il n'a même pas été capable de coter. Pour moi, il avait déjà pris ça à quelque part. Sur un forum. Hey, c'est sérieux, ça. Le plus beau ox que j'ai pas vu jusqu'à maintenant. Mais on va revenir à lui. Ouais, c'est Bridgette. Le message se dit comme suit. Nouveau message de l'océan. Ça, là, c'est de par Monique Mathieu. Si j'ai regardé tantôt Monique Mathieu, là, elle est sur le site rnouvelle.co, je pense. Es-tu là-dedans? Ça, c'est la chronique Arcturus. Arcturus. Pas fort, ça, non plus. Ça, j'ai vu tantôt, Steve. Where are you? On lui a bien fait un montage de photos là-dessus. Salut, Edis! C'est où, ça? Ah, c'est ça. Du ciel à la terre. Mon Dieu. Message des êtres de lumière. Bon, on va commencer parce que sinon ça va être long. Ok. Porté à votre conscience par Arcturus le 11 février 2014. C'est hier, ça. C'est même pas des nouvelles fraîches. Ok, c'est vrai, j'aurais dû garder la page. Oh, oh. Par Monique Mathieu, le 8 du 2 2014. Si, si, si.
Si, à peu près 2-3 jours plus tard, les maritimes. C'est pas la même couille. Bon, en ce moment, nous avons l'océan se déchaîner. Nous le voyons. Oui, OK. Comme d'habitude, quoi. Comme cela fait longtemps qu'il ne s'est pas exprimé. Y a-t-il quelque chose à nous dire? Oui, oui, il y a quelque chose à dire. Neptune est en tabarnak. C'est dur. Mon corps est amené dans cet élément et tout tourbillonne autour de moi. Je sens l'eau glacée sous mon corps. Je sens les vagues fouetter mon corps. T'as-tu un corps? Ils n'ont un corps de livre. Il faut que je me stabilise, car c'est inconfortable. N'importe qui, cette là. Ça va dans l'eau glacée, c'est pas trop trop confortable. Ben, d'un corps subtil, t'es pas supposé d'avoir ça. Non! C'est là qu'on commence à voir que c'est tiré par les cheveux, ça. Là. J'entends une voix qui devient très puissante. Tarlac. Ça, c'est l'effet de mythomanie. Ça, là, c'est une mythomane qui manque de lithium. Attendez-moi, c'est pas supramental, ça. Pouche, pouche. Enfant de la terre. Ah oui, c'est vrai, excusez. J'attends. L'océan me dit. Mais tchao, tchao la ligne. Enfant de la terre, je vous avais averti qu'il y a quelque temps. Je vous avais dit que lorsqu'il y aurait plus de population dans l'océan, ma colère serait forte. Pauvre toi. Alors, nanana, n'importe qui vient voir. Je ne voudrais pas parler de colère, mais j'emploie ce mot pour votre compréhension. Parce que c'est difficile à suivre des fois, là, tu sais. Vous devez comprendre que pour mon équilibre, j'ai besoin de la vie du peuple marin. Non, tu veux. L'âme est dans ses feuilles, Marion. J'ai besoin de l'amour de ceux qui vivent dans mon sein. Sur quel sein qu'elle parle, là? Elle me dit qu'elle était glacée tantôt. Ça doit graffiner. Oui. Je sais pas, là. Je l'ai vu sa photo tantôt. Pour moi, elle doit pas graffiner grand chose. Oui, bon. T'as grave dans le sale. En ce moment, cette vie s'en va. Ce n'est pas totalement la faute des habitants de la Terre, j'espère. C'est parce que beaucoup d'espèces quittent cette planète pour aller ailleurs. Les dauphins pour voler. Les éléphants roses aussi, quand ils y aident. Ils s'en vont ailleurs. Il dit, attention, il y a une volée de marmottes qui passe.
ta gueule. Couvre, tu t'en bottes. Donc, il est vrai qu'il y a là ce que vous pouvez appeler de grandes, d'immenses tempêtes. On a des grandes. La planète a pompé à l'envers. C'est toujours inquiétant quand tu lis ça. J'ai gros shake. Y'a ça, j'en manque. Je t'ai rendu, oui. J'en pleure. La vie marine me calmait. Je n'ai plus rien pour me calmer. Pauvres autres. Je comprends pourquoi ça en aille. Ils sont même pas fins avec eux autres. Je n'ai plus l'amour de cette vie marine. Les poissons et les mammifères marins me donnaient cet amour. Me donnaient. Hey, il y en a encore pas mal. T'sais. Pas pour aller voir de même, là. De toute façon, c'est marqué là, dans la Bible. Oui, oui. Un corps. Un corps. Pas ton corps. Bon, ok. Habitant de la terre. Oh, ton ami. Ça, ça fait peur. Habitant de la terre. Si vous voulez un petit peu de calme, voyons, calme-moi. Si vous voulez un petit peu calmer ma colère, si vous voulez un petit peu calmer ma colère, donne-y des baguettes, tabarnak. Et comblez un peu de manque d'amour, offrez-moi votre amour, autant là. Offrez cet amour, ce que je suis en terre, que les mains ont. Je parle autant à Lily sur le couvert d'un pot de margarine. Au moins, je ne veux pas des genres d'une dynoptie de main. Faites attention au gros que je vous donne. J'ai commencé à les plantes, commencé à parler en plus. Là. Oh, quel état qu'on n'est pas sorti du bois. Offrez cet amour. Oh mon Dieu. Dis qu'il y en a qui vont le faire. Ils sont plus fous que ça. Ouf. Je connais tout de vous. Oh, t'as la vie. Tu es à quelle heure que je suis? Je le suis pis ça s'en va dans l'océan! Peut-être pas, là! J'ai
n'exagérerai plus. Bon, vous connaissez si peu de choses de moi. Non, parles-tu de l'océan ou alors sa personnalité? Oui, oui. Hey, Seigneur. Piscard, bonjour, je suis frais d'argent avec ça. Faudrait bien qu'il en parle. Bon, j'étais rendu. N'importe quoi, Chris. J'ai une force gigantesque, bien supérieure à celle que vous pouvez imaginer. Ça, ça me fait peur. Ok. Il serait tellement facile pour moi de submerger les terres. Ben oui, pourquoi tu te fais pas, crise de folle? Si l'équilibre continue à être rompu, c'est ce qui va arriver. Non, c'est ce qui arrivera à toutes vos côtes. La force de rire, j'ai mal aux côtes, là. C'est pas ces côtes-là. Et bien plus profondément dans les terres. Yes, d'ailleurs. Ça, là, on n'a pas besoin d'une communication de venant de l'océan pour savoir, là. Ça fait déjà un petit bout, là, c'est commencé, là. Il y a eu tellement de prophètes qui l'ont dit. Le fleuve, il va s'ouvrir. Le rétro de Chalaline, je capote. L'équilibre a été rompu en raison de manque de discernement. Hey, ça se peut pas. Avec du bon stock en tabarnak. Non, 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 j'arrête ça là. Oh non, 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 non. On s'est au cut. De toute façon, vous savez vraiment si où ça devient. Fait que. C'est Bridget, les gris. Non, non, calme le copier, calé. Car ici. C'est bien chaud, ça. Ouais, mais c'est dur, c'est la même. Oui. Ben oui. Méchant fucké. La journée que l'océan. Ok. Elle va venir taper sur les bouts, il dit, hey, j'ai quelque chose à te dire, là. J'irai consulter. C'est égal. Ah bon? Non. Je regarde ce que ça fait quand quelqu'un personne consulte pas. Ça empire. Ah ben, on pouvait dire, ok, acheteur. Acheteur chirant,
Oui, puis quand même, ma vie est une entité, tu bon, une entité à qui on peut, tu sais, se ressembler un petit peu, là. Mais non, c'est un calvaire. Bon, c'est assez pour pour asseoir ma langue sale. Je voulais faire l'eau, mais là, je suis plus capable. À une prochaine! Bon, faut que j'appelle Maurice. Comment ça marche? Ouais, okay. Allô, Maurice? Ok, j'étais, allô?